Le 4 juin 1940, les Allemands entrent dans Paris. Ils prennent le contrôle de la capitale en 10 jours. Dès le 13 juin 1940, les Parisiens ont évacué la ville et les Allemands imposent un couvre-feu aux habitants restés sur place. La ville lumière, plongée dans les ténèbres de la guerre, attend le débarquement allié qui libérera Paris du joug nazi. Mais les opérations héroïques du jour J ne serviront à rien si les Alliés ne peuvent pas tenir des positions à l'intérieur des terres de Normandie. Franchement, mon gars, tu toucherais même pas un éléphant dans un couloir. Regarde ce que toi t'es capable de faire, Pecno. Hé, hey, toi, tu t'appelles Nicole, c'est ça? Viens prendre ton arme. Je pars Paris 5 billets que tu peux pas mettre 4 coups au but d'affilée. Tiens. Touche 4 casques d'affilée et t'auras 5 billets. Vas-y. Hé, hey, Mandelbaum, je te fais mes excuses. Le pire tireur au monde, c'est Nichols. T'en fais pas, mon gars. Personne se moquera de toi. Ouah, t'as vu ça? Hé, hey, Nichols. Fais le guet pour moi. Je vais en emporter quelques-unes. Génial! Il y a même des fumigènes! On va voir si t'arrives à en balancer une dans cette vieille grange. Tu veux essayer d'en lancer une au dernier moment? T'es censé lancer la grenade, pas la goupille. Pas mal du tout. Allez, Nichols, montre un peu ce que tu sais faire avec une grenade fumigène. Bien joué, Nichols. Dixon nous regarde. Très bien, Nichols. Hé, Dix, ce gars a ça dans le sang. Imagine-toi d'aller voir le caporal Dixon. Et pas un mot au sujet des grenades que j'ai piquées. Eh ben, ils ont leur compte. Les gars, tirer sur des casques, c'est mieux quand il y a des boches en dessous. Récupérez des armes et des munitions dans la tente et grimpez dans ce camion. Tout le monde dans le camion, en route! Mon nom est McCullen. Deux choses. Primo, mort, vous ne me servez à rien. Deuxio, à quoi bon? Vous êtes déjà tous morts, de toute façon. Sacré discours de motivation. Si tu veux de l'inspiration, Huxley, t'as qu'à lire un poème. Quoi que tu fasses, t'arriveras jamais à la cheville du sergent. Bon, écoutez-moi. Aujourd'hui, on avait une mission spéciale. On devait chercher du café et des beignets. Le problème, c'est que les frites sont passées avant nous, et ils ont rien laissé. Moi, je dis que ça mérite une expédition punitive. Ou alors, on pourrait
rester tranquillement à la base, hein, et manger des croissants. Ok, nous devons aller fournir un soutien à la Task Force C. On arrivera par le flanc ouest. Et n'oubliez pas ce qu'a dit McCullin. Oh, waouh! J'adore cette odeur! Ça me rappelle le pays! Quoi, y a des animaux ici? Je croyais qu'on contrôlait le secteur. Ouais, mais ça dure depuis des semaines. Hé, hey, attendez-moi! Hé, hey, t'as su, Pélère! Rouille-toi, soldat! Tu y es prêt? Allez, mon gars, rouille-toi! Allez, vas-y! Allez, tu peux y aller! Allez, les gars, c'est pas drôle! Quelle unité, soldat ? Guto, soldat, première classe, troisième section. Notre officier s'est fait descendre à Martinville. Soldat, restez avec nous. Infirmier ! Je reste avec Santorin. Non, vous venez avec nous. Sergent ! Exécution, soldat. Nixon, prenez Huxley et couvrez nos blindés. Les autres, y compris, avec moi. Allez, c'est parti !
mort à découvert. Allez. Nicole, vous prenez cette présence. Enfoiré de poche! Bon travail! Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce char? S'il a un peu de jugeote, il se planque. Otto, allez jusqu'au char! Proposez-leur de repérer des cibles! Pourquoi moi? Vous êtes radio, non? C'est un ordre, Otto! Nichols, allez repérer des cibles pour Otto! Minutes. On peut pas rester ici! Attention, bon sang.
Oui, ils s'enfoncent. Taisez-vous! C'est pas vrai! Faut qu'on se replie! En tout cas, moi je décroche! Brock! Brock! Lâchez cette arme! On va tous se calmer, ok? Vous êtes pas dingue au point de me tuer! La désertion coûte cher, Buzo! Vous tuer ne serait pas un acte de police, bien au contraire! Franck, allez! Hé les gars! Y'a un tunnel par ici! C'est bon, y'a une issue! Bon, on décroche! Allez! Nichols, on y va! Attendez!
cavalerie arrive. C'est bon! Ouais! Ces frites détalent comme des lapins. Couteau, appelez la division. On a pris Saint-Lô. Aussi décisive que le débarquement en Normandie, la libération de Saint-Lô ouvre la voie vers Paris. L'armée américaine pousse jusqu'au sud-ouest, tandis que les Britanniques, les Canadiens et les Polonais avancent depuis le nord-est. Le territoire contrôlé par les Allemands entre les deux est rapidement baptisé « Poche de Falaise ». Les combats pour la réduction de cette poche comptent parmi les plus âpres et les plus féroces de la Seconde Guerre mondiale. Ce type me colle son flingue dans la gueule. Vous croyez pas que ça suffit pour demander un transfert? Tu devrais peut-être écrire à ton député. C'est vraiment très drôle. En piste, on part pour Saint-Germain. La 90e manque d'effectifs, on va être incorporé dans leur rang. Votre demande de transfert a abouti, Guzzo.